So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues, there's nothing I'd rather do. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Le monsieur, il est super gentil, en plus c'est un français, enfin il habitait, ah c'est un marseillais, ouais, il a un petit accent. Ah, c'est qui m'appelle? Ça doit être ou soit mon père ou soit ma mère. Ah, c'est mon papa, je reviens vers vous. Ça y est, c'est bon, on a pris tout ce qu'on avait besoin. Toi, tu veux manger quoi? Peu importe. Hein. Tu te rappelles ces glaces-là? Oh, à l'ancienne! Mais c'était des glaces, ça! Ouais. Ah ouais. Bon, je vous reprends maintenant. Là, on fait juste 2-3 petites courses pour manger ce midi et pour ramener aux ouvriers à l'appartement. Je vais prendre juste du thé. Parce que je veux du thé, parce que dans le Airbnb, il n'y a pas de thé, etc. Faut qu'on revienne pour faire les courses. Ma tête, c'est vraiment de pire en pire. Ayoub, toi aussi, hein. Non, bah c'est gentil. Mais non, mais c'est toi tout à l'heure, tu m'as dit faut que j'aille chez le coiffeur, merci, tout merci. Ça. Non, mais t'inquiète pas, on est tous les deux dans le même sac. Ça va, hein. Ayoub, il mange une glace alors qu'il fait moins 5 degrés à Paris. Non, ça fait du bien. Ici, il fait combien là? Il fait bon, hein. Je sais pas combien il fait, mais je vous montre juste. Regardez, voilà le temps, franchement, il est hyper agréable. Ah, entre 15 et 20 degrés? Ça va. Donc là, à l'heure où je vous reprends, il est exactement, vous allez voir ou pas, il est 16h26. Voilà, vous avez vu mon double menton, magnifique. C'est la fatigue qui part là, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui je suis de tension. On fait que de courir à droite à gauche. Et moi encore ça va, hein, parce que je me suis entre guillemets reposée pendant 2 jours. Moi j'étais au Airbnb, mais Ayoub, tu dois être... Ah ouais, tu dois être vraiment... éclaté, parce qu'en fait on fait que de faire des allers-retours, puisque on part à l'appartement, après on nous dit il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous faut ça,
Donc bref, en gros là on repart encore chez le roi Merlin. Donc ça va, on a bien mangé, etc. Mais ouais, on repart chez le roi Merlin acheter 2-3 petits trucs. Et normalement, aujourd'hui, l'électricité est terminée. Mais ça a pris grave du temps. On a mis 5 jours. 5 jours, mais on a travaillé 12 heures par jour. 13 heures, 14 heures. Ouais, hier il est rentré à 2 heures du matin à Yuba. Hier on a commencé à 8h30. Ouais. Ouais, il est rentré, on est rentré à 2h. Ouais, je suis rentré à 2h, on a fini à 1h30 là-bas. Ouais. Oh, de ouf. C'était chaud. Ah ouais, grave. Et ce matin, Ayoub, il était éclaté quand il s'est levé ce matin. Et pourtant, moi, j'entendais le réveil sonner et je voulais en mode continuer à dormir. Ayoub, il dit, allez, ben lève-toi. Ouais, va te préparer. Je lui dis clair, comme ça, moi, tu vas me lever. Ouais. Et moi, je me dis, non, grand peu. Tu parlais même pas. Elle se tournait. Grave. Ayoub, il dit, allez. Vas-y. J'ai dit vas-y lève-toi toi, vas-y moi c'est vite fait, je me prépare en 2-2. Ouais ouais ouais, il dit toujours ça. Ayoub en 2-3 mouvements il était prêt. J'ai même pas eu le temps de lisser ma frange, etc. Il m'a vu sortir le lisseur, il m'a dit hey man, tu vas pas te lisser les cheveux, c'est pas le moment. Ouais grave, mais on a fait super vite hein. On est sorti de la maison, enfin du Airbnb à 8h25. On était à 40. Ouais à 40 on était à l'appartement. Bref, donc je vais vous laisser, hein. C'était juste pour vous faire un petit point sur, bah, ce qui se passe là. On est bientôt arrivé chez le roi Merlin. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un Jiffy, donc dès qu'on aura tout... Prendre des vitamines. Donc dès que... Donc dès qu'on aura tout terminé, on ira faire un petit tour à Jiffy pour voir les Jiffy d'ici, à quoi ça ressemble. Et puis voilà, bref, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Ça y est, je vous reprends bien plus tard parce qu'il est 21h30. Comme vous pouvez voir, on a de la lumière, donc c'est génial. L'électricien est venu tout juste de partir avec Ayoub. Ayoub il est parti l'accompagner chez lui et il a fait un sacré boulot. Franchement, c'était... c'était du travail parce qu'il fallait refaire toute l'électricité comme je vous ai dit, mais il est trop fort, trop fort. Il nous a fait même des techniques, il nous a dit si t'allumes là, ça s'allumera et ça s'allumera pas. J'ai dit c'est bon, tant qu'il y a de la lumière je suis contente. Mais non, vraiment trop contente. Donc là je vous prends que maintenant parce que moi j'étais dans la cuisine en train de tout nettoyer parce que j'ai tout viré dans la cuisine. Et c'est génial parce qu'en fait Ayoub il a mis, enfin c'est pas lui qui a mis mais il a décidé de mettre ça et je trouve ça super joli. En fait il a mis des gros spots, attendez je vais vous montrer. Voilà ce qu'il a choisi et je trouve que ça rend super bien. Donc c'est des gros spots en fait encastrés. Donc on en a choisi 3 parce que ça suffit largement en fait. Tout ça pour vous dire que ça a pris du temps mais le résultat est là. Les lumières sont bien, enfin c'est pas de la lumière jaune donc ça c'est parfait. C'est ce qu'on voulait, on voulait vraiment de la lumière blanche. Donc je suis trop contente. Donc là moi ce que j'étais en train de faire comme je vous ai dit, j'ai nettoyé toute la cuisine, tous les placards, quelques placards, j'ai pas tout nettoyé. En fait j'ai nettoyé tous les placards d'en haut, mais d'en bas j'ai pas nettoyé. D'ailleurs ici il y a le frigo, mais le menuisier va nous mettre une porte en bois, donc ça va être trop bien, comme ça on verra pas la porte du frigo. Sinon ici la gazinière elle fonctionne donc on va la garder. La hotte elle marche plus donc celle-ci on va la virer. On a vu qu'à Bricorama il y avait une promo donc on va l'acheter là-bas. En dessous le four on l'a viré aussi parce que c'est mort, trop dégueulasse. Et puis même je pense qu'il marche plus. Donc on va s'en prendre un nouveau. Là je crois que je sais pas comment ça s'appelle mais je crois que ça s'appelle les couronnes, vous savez ce qui est sur les gazinières pour cuire. Donc en fait je les ai mis dans des seaux et j'ai mis du sel, du vinaigre et du produit que je vais laisser ils sont pas sales hein, franchement c'est cool, ils sont pas sales mais je vais bien les laisser se nettoyer voilà. Et d'ici 2 jours je les enlèverai, je les remettrai là dessus mais la gazinière aussi franchement elle est propre donc ça c'est cool. Et puis bah écoutez voilà, après là par contre il y aura les trous à reboucher. Attendez je vais vous montrer la lumière, enfin la lumière non, le je sais pas comment ça s'appelle, un boîtier je sais pas, pardonnez-moi je suis pas électricienne, mais voilà à quoi ça ressemble, c'est nickel. Donc après hein, tout autour hein, il y aura la peinture etc, ça c'est pas encore terminé. Ah oui on est parti aussi acheter une sonnette voilà qu'on a mis juste en haut parce que on n'en avait pas voilà. Et puis là c'est l'alarme si vous voulez savoir parce qu'on a mis une alarme donc elle est là et elle est aussi
au bout juste là, je sais pas si vous voyez bien. Je vous ai dit, Ayub il est parti, donc moi ma mission va être de nettoyer en fait tout le couloir, je vais faire ça. Et aujourd'hui, enfin ce soir, Ayub il aimerait faire le plafond du salon. Je vous montre pas le salon parce que je le trouve trop beau et j'ai vraiment envie de vous montrer le résultat final et tout. Mais demain, normalement le salon sera terminé, donc... ah vous voyez une partie? Non. Pas grave, en fait c'est pas très très grave. Et Ayub donc ce soir il va peindre le plafond. Moi je voulais pas spécialement parce que bah, je le trouve nickel en fait, mais on va le mettre en blanc finalement. Ce soir je pense qu'on va rentrer tard, on va pas dormir ici, on a l'eau chaude, on a tout, on pourrait rester, mais je pense que quand on aura terminé cette chambre, enfin quand on aura vidé la chambre, en fait c'était juste la lumière qui nous manquait et comme vous pouvez voir c'est un carnage. Ah oui, attendez, je vous ai pas montré, mais ça m'a tellement fait mal au cœur. Comme vous savez, on a fait cette chambre en premier. Et regardez-moi ça, voilà, l'électricien, il nous a tout saccagé, voilà. Mais bon, il était obligé, il faut pas que vous voyez. Voilà, là, il n'y a pas trop de changement. Enfin, si, il y a un coup de peinture blanc, mais c'est pas choquant. Oui, donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Demain, il y a le menuisier qui est censé venir nous mettre le parquet. C'est un menuisier multifonctionnel, c'est pour ça. Il fait tout, en fait. Et puis, bah voilà, écoutez, hein, là, tout à l'heure, le menuisier, il a enlevé toutes les... Enfin, pour faire les plinthes, vous savez, donc il a cassé tout autour. Ça y est, je suis contente, j'ai fini. Bon après il y a la serpillière, tout ça à faire, mais je la ferai pas ce soir parce que ça sert à rien. On n'a pas terminé les travaux, donc ça sert à rien. Il est trop mignon, c'est Ayub qui m'a appelé parce qu'en fait je vous explique, j'ai plus de batterie sur mon téléphone et donc il voulait à tout prix que je vienne avec lui déposer le monsieur. Mais moi je lui ai dit non, t'inquiète, je reste comme ça au moins j'avance en fait sur les petites choses, etc. Et donc il m'a laissé son téléphone. Il m'a dit bah si tu t'ennuies comme ça t'appelles ta maman, etc, etc. Et il m'a dit bah sur la route j'achèterai un chargeur pour ton téléphone. Je lui ai dit t'inquiète, c'est pas la peine que t'achètes un chargeur, la porte elle est fermée, tout ça, t'inquiète, tranquille. Parce que c'est la première fois j'avoue que je reste toute seule dans l'appart. Je lui ai dit si j'ai peur. J'ai trop envie de faire des trucs comme ça parce que lui ça le fait pas, je sais pas que ça le fait paniquer mais voilà il aime pas. Bref. Et donc je lui ai dit mais non et tout. Et là il vient de m'appeler pour me dire qu'il a acheté un chargeur. Et c'est pour ça qu'il m'a appelé avec mon téléphone. Bref, il est trop mignon. Bon, je vais éteindre les lumières. Ça y est, il est rentré, je suis plus toute seule. T'as eu peur? Hein? T'as eu peur? Non. Arrête d'abord. Non, je te jure que non. Arrête, quand je suis montée des escaliers, tu m'as dit je suis trop peur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bref, donc là on va manger. Bah écoutez, on va manger des sandwichs. Donc là il y a des tomates, des poivrons, on a mis de l'huile d'olive, du sel, du citron. Et là-bas il y a une petite salade. Ici on en a une aussi. On a mis là un petit chauffage derrière qui est juste super bien. Il est électrique et il tourne en fait. Et pourquoi on a fait ça? Pour chauffer un maximum la pièce pour que bah, la peinture sèche vite. J'ai pas envie de la faire ce soir. Hein. Ouais, mais on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais. Comme ça, au moins, demain, on est tranquille. Ouais, comme ça, demain, on est tranquille. Ouais, ouais. Et tu penses qu'on aura terminé vers quelle heure? Non, parce que... 3h du matin. Quoi? 2h, 3h. C'est vrai? Ouais. Ah bah, ce soir, je monte pas le vlog, les amis. Si vous avez pas de vlog demain, c'est normal. 2-3h, ouais. Minimum. Bon, bah, on verra. Ouais. Pas. On verra. Non, on fait. Non, non, on fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas que c'est pas le mur plat. En fait, je te filme pas très bien parce que il y a le carrelage derrière. Ah, d'accord. Oui, tu disais. Le problème, c'est que c'est pas un mur, un plafond plat. Ouais. C'est un plafond en profondeur, donc ça fait du volume et ça fait beaucoup de coins. C'est ça. Ou au pire, Ayub, regarde. On met juste le milieu en beige. Ouais, le milieu en beige, il est nickel. On peut faire tous les contours et le milieu, tu le laisses en beige. Comme ça rappelle le carrelage. Je vais le laisser en beige, après tu vois ce qu'il plaît. Tu as un sandwich ou tu manges comme ça? Non, je veux le même sandwich que ce midi. D'accord. Alors, Imen, il est bon hein? De ouf. Ça passe bien? Ça passe trop bien. Je vais oui. Ah, je vais mettre un peu de citron. Ouais, tu peux. J'ai oublié de le mettre, c'est vrai. Ah mais ça passe trop bien. Ah on voit le carrelage derrière. C'est pas grave mais on a déjà vu ça.
C'est vrai? C'est celui d'avant. Bon, c'est le même, hein. Mais ça fait... En fait, ça fait toute sa différence. Ouais, vous allez voir. Tu vois, avec ça, ça faisait déjà beau ce mur-là. Mais avec ce mur-là aussi, ça va. Ils ont pas vu les spots? Les spots... non, avant, j'ai pas montré les spots. Ouais. Vous verrez tout ça. Ouais, bah, tu peux les montrer hein, parce que ça. Moi, c'était des spots simples comme ça. Ouais, parce qu'ici, il n'y avait pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Donc, on en a mis 4, un là, un derrière, un ici et un là. Ouais. On va mettre aussi une lumière dedans là. Ouais. Comme ça. Ouais, on a laissé le branchement. Le branchement, il est fait donc ça va vite. Ouais. Et peut-être on va faire ça. Ouais, ça ferait bien ça. Ouais, ça ferait super. À l'intérieur, comme ça, en fait, ça ferait une ambiance. C'est, vous savez, comme des guirlandes. Ouais. Mais c'est pas ça, mais c'est comme des guirlandes. C'est des petites LED en fait. C'est des petites LED. Ouais, c'est des petites LED. Pourquoi tu les lances? T'es sérieux? Là, mon ventre, il me fait mal, c'est bon, je vais manger. Je vais même pas les porter, les LED. T'es sérieux? Regardez comment il mange. Il m'a tapé un croc tout à l'heure, j'ai dit wesh. Tu veux que je leur montre le croc? Vas-y, montre-leur le croc. Les petits crotons. Ouais, genre là tu fais genre les petits crotons tout mignons, mais c'est parce que tu le sais. Tranquille, genre pas lui. Allez, on va voir comment tu te débrouilles, vas-y. Mais si je mouille mes chaussures. Bravo. Non, c'est bien. Les coins c'est long. Ah, les coins c'est long hein. En plus il faut pas laisser. Là vous savez pas mais je me suis renversé du jus d'orange dessus. Vas-y, je te laisse ranger tout ça. Et je vais ramener la peinture. Vas-y. Je la mélange tout ça. Vas-y, on fait ça. Ah, encore, on peut même le nettoyer à la main. Hein. Non, parce que là il y a une grosse. Ouais, il y a une fissure. Il y a une grosse fissure et ça il faut l'enduire ça. Ah bon? Ouais, normalement. Hein. Mais non, ça se voit pas. Il y en a beaucoup. En fait, je crois que c'est le plafond qui va tomber. Imagine! Tout ça pour rien! Oh. Bon, vas-y, chaude. Leinster! Oh, dis-moi, l'ancienne! La suie, la selle! Je vais tourner tes médicaments. Vous savez, c'est notre frigo, le carton. Oui. On met tout le manger dedans. Déjà, tout à l'heure, j'ai regardé que c'est vraiment notre frigo, il y a tout dedans. Et d'ailleurs, on peut allumer le frigo maintenant? Ouais, tu peux. On vous retrouve dans quelques heures. Je sais pas, toi tu vas dormir, mais moi je vais rester non, avec elle. Où je vais dormir? Mais je sais que tu vas dormir. Tu dors toujours. Tu dors toujours. Je sais. Quand on prend la route, tu dors. Quand on fait les travaux, tu dors. Tous les trucs galères, tu dors. Quoi? C'est pas vrai? Oh là là, genre j'ai pas charbonné pendant 5 jours avec toi. Si, t'as charbonné. Voilà, si, merci. Si, après, si. Quand mon père il est venu, j'ai. Si, là, t'es... Voilà, merci. T'as charbonné. Bah là, c'est juste aujourd'hui qu'il vient de terminer. Hein. Non, t'as charbonné. Et nous, quand on partait toujours en voyage avec Imen, et avant, on prenait souvent la voiture. Donc, on faisait des petites destinations. Et on avait pour 5-6 heures préparé plein de trucs. Mais je me disais, ouais, on va tenir la route, on va parler, on va faire des jeux, tout ça. Et on faisait 100 km. Elle descendait le ciel, elle ronflait déjà. Après elle se réveille, elle me dit attention. Ah, tu dors, t'inquiète, tu attention. Je tiens pas beaucoup la route, c'est pas grave. Non, bravo, si tu tiens la. 100 km, c'est beaucoup. Vous venez nous aider, s'il vous plaît. Oh, je te jure. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Ouais. On vous tient au courant de toute manière. Oui. Allez. T'as cassé la caméra. Tu casses la caméra, toi. Rac, rac ça. Bref, allez. Bon, petit imprévu. Tu nous expliques, Ayoub, ce qui se passe là? Regardez ce qui se passe là. Vous voyez des petits points? Non, on voit rien. Non, on voit pas. Et là, avec la couleur blanche, en fait, le mur n'est pas vraiment lisse. Ouais, ça fait une réaction bizarre en fait. En fait, le mur, moi je le voyais pas comme ça. Mais il y a comme des petits points dessus. Ça fait bizarre en fait. Il faut tout gratter. Ouais, non, c'est bon. Après, dans les zones où il n'y a pas de l'enduit, il faut mettre de. Dans les zones où c'est pas. C'est disproportionné, il faut mettre de l'enduit. Ouais. Et il faut tout regratter. Donc, en gros, conclusion. Conclusion, on va repasser en blanc et on va laisser. Ouais, mais c'est mieux.